Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder ensemble 5 trucs qui sont essentiels pour comprendre le moderne Excel, pour comprendre tout ce qu'il y a dans Excel qui est arrivé après 2020, disons, voire fin 2022 pour énormément d'éléments parmi ces 5-là. Moi, ça fait pas mal de temps maintenant, quelques mois, que je fais des challenges Excel pour découvrir le moderne Excel, donc toutes ces nouvelles fonctionnalités d'Excel, notamment dans les formules. Et là, je vais vous proposer 5 premiers trucs qui sont essentiels pour bien comprendre ce que c'est le moderne Excel, comment ça fonctionne et avoir des bases solides que vous pourrez récupérer et réutiliser partout. Ces 5 éléments-là, c'est la fonction let, les sauts de ligne dans une formule, le symbole hashtag, le symbole dièse, qui va permettre, je spoil rien, la fonction séquence et la fonction filtre. Et ces 5 trucs-là sont des bases hyper utile, hyper polyvalente pour vous permettre de faire des formules plus efficaces, faire des calculs plus efficaces, plus faciles à comprendre, à maintenir, à faire comprendre, etc. Donc, ce que moi je vous propose, plutôt que de les détailler un par un, c'est de résoudre ces 3 petits cas pratiques en justement en utilisant tout ça, même si je ne vais pas forcément les faire tous à chaque fois, ni tous dans l'ordre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre ces 3 petits cas pratiques. Et dans chacun de ces cas pratiques, on va avoir un ou plusieurs éléments qui forment un peu le premier top 5 des trucs du moderne Excel. Donc je commence et ce que je vais vouloir faire dans la colonne B, le cas que je vais vouloir résoudre dans la colonne B, c'est comment est-ce que je peux récupérer en une fois la liste de tous les premiers jours de chaque mois de l'année en cours. Je commence, hein, donc égal. Donc on parle que de formule là-dedans, égal, et je vais lui dire que je veux 12 nombres qui se suivent, qui vont représenter mes mois. Donc si je fais égal séquence 12, pas au bon format, j'ai mis un format exprès que je voulais, je vais le remettre après, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je reviens en arrière pour juste remettre le bon format, j'ai déjà mes trucs. Et du coup, bah, j'ai bien des nombres numérotés de 1 à 12. Moi, sachant ça, je peux faire ça. J'écris 1 slash et ensuite je mets une espace. Et comme ça, je vais avoir 1, 1, 1, 2, 1, 3, ce qui correspond tout à fait à des mois, hein, ce qui correspond au premier de chaque mois dans une écriture standard du format date, qui est, on met un slash entre le jour et le mois. Bah, si ce que je veux, c'est avoir l'année, je vais faire juste ça, et je vais forcer l'écriture en nombre. Donc je vais faire plus 0, juste pour forcer le calcul d'un nombre, et du coup il va me donner des dates. Donc il me donne la date du premier jour de chaque mois, de janvier à décembre, pour l'année actuelle. Et là, je vais utiliser uniquement séquence. Donc, je vais valider séquence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre en vert, voilà. Je mets séquence en vert. Hop, séquence en vert. Du coup, là, je viens d'utiliser séquence. Cette formule-là, qui contient notamment séquence et plein de petites astuces. Deuxième truc, c'est comment est-ce que je peux récupérer le dernier jour du mois? Alors, évidemment, je pourrais faire à peu près la même chose, mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce que j'ai déjà créé. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Le dernier jour du mois, c'est facile, c'est fin de moi, de ça, 0. Donc là, ça va me donner le dernier jour du mois. Donc pour le 1er janvier, j'ai le 31 janvier. Et ben moi, je vais du coup utiliser ça, mais le refaire ou quoi que ce soit, ou de réutiliser séquence, ce que je vais faire, c'est ça. Et ce symbole-là, le hashtag, dans ma référence, pour lui dire de sélectionner, vous voyez que si je ne l'ai pas mis, j'ai que cette cellule, si je le mets, j'ai toutes les cellules qui sont propagées depuis cette formule, qui est une formule qui va se propager à d'autres cellules. Donc B3 hashtag correspond à tout ce qui est propagé depuis B3. Là, j'ai exactement mes mêmes résultats, j'ai fait exactement la même chose. Je pourrais faire plus 31, évidemment, ce n'est pas ce que je veux. Plus 31, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Donc ce que moi, je vais faire, c'est juste fin mois, 0. Et malheureusement, j'ai une erreur. Alors, j'ai une erreur parce que là, il n'accepte pas tant que ça, que je fasse fin mois sur ça. Mais je peux feinter
Je peux planter Excel d'une certaine façon en faisant une opération qui va lui permettre de comprendre que je veux absolument travailler sur ça. Donc je vais faire plus 0, simplement plus 0. Et là, du coup, j'ai bien mes fins de mois qui correspondent à chacun des mois qui commencent ici. Donc pour février, c'est bien le 28. Il n'y a pas de 29 février en 2023. Et puis pour mars, c'est bien le 31, etc. jusqu'au 31 décembre 2023. Et du coup, bah là, ça fonctionne bien. Et ici, bah, je pourrais continuer à réutiliser ce symbole-là. Mais ce n'est pas ce que je vais faire, parce que je vais essayer d'utiliser à fond les trois autres, qui sont les sauts de ligne, la fonction let et la fonction filtre. Je vais utiliser les trois autres là, sachant que en réalité, au cas où, et je vais vous montrer quand même, ici, je pourrais juste faire est égal à série jour ouvré. Donc série jour ouvré un tel. Donner cette date là plus 1, lui dire que je fais un jour vers l'arrière, un jour dans le passé, donc revenir, donc je prends le premier jour du mois suivant, je fais un jour dans le passé et je lui dis, donc je vais mettre un format un peu spécifique, pour le dernier vendredi du mois, je vais ne laisser ouvert que le vendredi, il n'y a que le vendredi, donc là il y a 7 jours, il n'y a que le vendredi qui est en 0. Donc je fais ça, alors il me donne le dernier vendredi du mois pour janvier, et il me suffit à nouveau de faire ça pour obtenir le dernier vendredi de chaque mois. Mais si je fais ça, bah, j'ai utilisé à fond séquence et à fond surtout le symbole hashtag, mais j'ai pas utilisé l'ast. Donc je vais pas faire comme ça. Vais utiliser une fonction let, une fonction filtre, et puis même d'autres choses en plus, et notamment les sauts de ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que hop. Je vais agrandir ça pour que vous voyez mieux, pour qu'on voit tous mieux. Donc voilà, je me mets comme ça. Donc là, je vais faire let et je vais calculer plusieurs trucs. Le premier truc que je veux, c'est le jour. Le premier jour. Le premier jour, donc la fonction let me permet de créer des variables. Je peux créer ma variable le premier jour ou je pourrais l'appeler LPJ, ce serait plus simple. Donc je vais faire ça. Ouais. LPJ, le premier jour. Ça va être égal à ce que j'avais fait, donc 1, 1, et je vais faire plus 0, et après je vais réappeler LPJ. Là, j'ai le premier jour de l'année 2023, 1er janvier 2023. Donc en vrai, je vous conseille, ça dépend des fois, mais je vous conseille de créer des noms de variables qui vont permettre d'être relus par les autres. Donc, je vais créer des noms de variables plus faciles à comprendre. Donc là, j'ai ça. La fonction let, je crée une variable, je lui attribue une valeur, un calcul, et puis ensuite je dis qu'est-ce que je veux calculer à partir de ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des sauts de ligne pour dire ça. Je crée une fonction let et je vais créer une variable dont le calcul, ça va être ça. Après, si je fais par exemple le premier jour plus 10, je vais arriver au 10 janvier, au 11 janvier, pardon, au 11 janvier 2023. Et ça sera mon calcul. Mais moi, ce que je veux faire, c'est, bah, j'ai calculé le premier jour, je vais calculer le dernier jour de l'année. Le dernier jour, ça va être fin mois, ou ça pourrait être d'ailleurs 31 12 plus 0. Et donc là, je vais dire, par exemple, le dernier jour, 31-12-2023. Donc si je lui dis, par exemple, de calculer le nombre de jours, le nombre de jours, je vais dire que c'est égal à le dernier jour moins le premier jour, plus 1. Et là, je vais lui demander de calculer, hop, le nombre de jours. Donc là, c'est dans le mauvais format, mais si je mets dans le bon format, que je mets en format normal, on a bien 365 jours. Alors, j'ai mis format nombre, pardon, je me suis trompé. On a bien 365 jours. Donc, ce que je vais pouvoir utiliser maintenant, c'est comme je l'ai utilisé ici, une fonction séquence, je vais utiliser à nouveau une fonction séquence pour dire, je ne veux pas une suite de 12 chiffres, je veux une suite de le nombre de jours chiffres en partant de le premier jour. Il met la liste des 365 jours du mois.
De l'année, pardon, 365 jours dans l'année. C'est une séquence de jours qui commence au premier jour, ici, et qui avance de 1 en 1 sur 365 lignes. Là, si je fais ça, j'ai déjà ça qui est fait. Je vais les mettre en vert pour que vous voyez bien. Pardon, j'ai pas fait ce que je voulais faire. J'ai ça qui est fait aussi parce que j'ai utilisé mes lignes, mes sauts de lignes. Donc en gros, mes sauts de lignes, c'est vraiment première ligne, je déclare mon let, ensuite je déclare mes variables. Je pourrais sauter moins de lignes, hein, mais je déclare que ça c'est une variable. Le premier jour, je déclare que ça c'est une autre variable. Le dernier jour, je pourrais les mettre sur la même ligne, ça, très bien. Mais je peux les séparer aussi. Hop. Le nombre de jours, c'est un calcul entre mon dernier jour et mon premier jour. Et ensuite, je fais un calcul qui est juste la liste des X dates, 365 ou 366, qui commencent à partir de mon premier jour et qui itèrent jusqu'à mon dernier jour. Donc je fais ça. Et donc maintenant, bah, évidemment, moi, ce que je veux, c'est, on va dire que ça, c'est les jours, peut-être la liste des jours. Ça, c'est ma séquence. Hop, la liste des jours. Donc j'ai encore la même chose, hein. Et là, bah, je vais utiliser une fonction filtre. Filtre, la liste des jours. Et ma condition, je vais inclure dans mon filtre seulement ceux qui sont qui respectent une condition. Donc par exemple, je peux inclure seulement ceux pour lesquels le numéro du jour. Voilà, numéro du jour. Donc sur la liste des jours, le numéro du jour, je veux que ce soit égal à 1. Si je fais ça, je referme la parenthèse de mon filtre. Bah, j'ai à nouveau le premier de chaque jour, de chaque mois, hein, le 1er janvier, 1er février, 1er mars, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est obtenir le dernier vendredi de chaque mois. Alors, c'est pas exactement ça que je vais faire, je ferai plutôt d'ailleurs le 31. Mais c'est toujours pas exactement ça que je vais faire, parce que le dernier jour du mois, bah, c'est pas forcément le 31, et puis dans tous les cas, c'est pas forcément vendredi. Donc, ce que je vais dire, c'est par exemple, pour garder que les vendredis, je vais faire jour somme. De ça dans le type de retour 2. Donc je le fais comme ça à la française. Hein. Le type de retour 2, je veux que ce soit un 5. Donc c'est-à-dire que je veux tous les jours de la semaine, toutes les dates pour lesquelles le jour de la semaine, c'est un vendredi. Type de retour 2 égale 5, c'est-à-dire la semaine numérotée de 1 à 7, avec 5 c'est égal à vendredi, bah, je veux tous les jours pour lesquels la date tombe un vendredi. Et ça, on voit bien que j'ai des vendredis, mais j'ai tous les vendredis de chaque mois. Donc le 10, le 13, le 20 et le 27 janvier. C'est pas tout à fait ce que je veux. Je pourrais aussi faire ce que je veux, c'est forcément. Donc je vais copier ça. Vais copier ce truc-là et je vais faire autre chose. Je vais faire pas jour sum, mais je vais faire jour, voilà, de la liste des jours. Égale 31. Voilà. Je peux faire par exemple supérieur à 29. Donc là j'ai le 30 et le 31 à chaque fois qu'il y a des mois pour lesquels il y a 30 ou 31 jours. Au moins 30 ou 31 jours. Donc j'ai pas février là-dedans. Je fais supérieur à 27. Bah, j'ai bien sûr des dates en février. Une date en février. Et moi ce que je voudrais c'est que mon calcul ce soit pas ça non plus. Je voudrais que mon calcul, ce soit. Je veux que le nombre de jours entre la fin du mois et. Je veux la dernière semaine, les 7 derniers jours. Dedans, je vais sélectionner le vendredi. Donc, je veux que le nombre de jours entre la fin du mois, de la liste des jours, et. Voilà, le nombre de jours entre la liste. Entre la fin du mois, de la liste de chacun des jours, et. Moins la liste des jours. Pas forcément la partie qui va être la plus simple à comprendre, mais le but c'est forcément de comprendre les détails du calcul. Ce que je vais vous montrer, c'est un peu le fonctionnement de filtre, le fonctionnement de l'imbrication de tout ça. Et donc là, je voudrais dire qu'il y a moins de 7 jours, qu'il y a moins de 8 jours. Alors, est-ce que je l'ai bien fait? Non. Donc, un mois, ça, il me manque une parenthèse. Donc là, je lui ai dit, garde toutes les dates qui correspondent aux 7 derniers jours du mois, y compris
en février. Donc en février, ça commence au 21. Et si je fais ça, eh ben, je peux rajouter une. Rajouter, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une condition, qui est celle que j'avais déjà écrite. Pour rajouter des conditions, on écrit une condition entre parenthèses fois une autre condition entre parenthèses. Et donc là, je vais dire jour sum de la liste des jours de égale 5. Comme ça, j'aurai que les vendredis. 24. Alors, je ne vais pas dire est inférieur à 8, je vais dire est-ce que c'est inférieur à 7? Non, je vais tomber bien. Voilà, donc on voit comme ça fonctionne mieux. Donc là, j'ai le dernier jour de chaque mois, donc le 27 janvier, le 24 février, le dernier vendredi, pardon, le dernier vendredi de chaque mois. Et je l'ai fait avec une fonction filtre plutôt qu'avec le fait d'avoir pris ces dates-là et d'avoir fait un série jour ouvré, ce qui était en vrai mieux, hein, mais qui montre un peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais utiliser ici la fonction filtre avec deux arguments. Je vais faire ça pour que vous voyez bien. Hop. Hop. Avec deux conditions. Mais du coup, bah voilà, j'ai utilisé. Je vais pas laisser ça, mais j'ai utilisé mes trois exemples pour vous donner des exemples d'utilisation de chacun des trucs qui sont là. Donc ici notamment la fonction séquence. Ici le symbole qui est le symbole de propagation d'une référence. Et ici j'ai utilisé tout le reste, donc notamment avec let, avec les sauts de ligne qui vont parfaitement avec let. Et avec la fonction filtre, notamment là, une fonction filtre avec deux arguments, un peu deux conditions combinées, un peu techniques, et qui permettent de bien comprendre comment ça fonctionne. Et voilà pour cinq trucs que je considère comme essentiels pour bien comprendre au départ, bien s'habituer à ce que c'est le modern Excel et à comment ça fonctionne. Et on va se retrouver forcément pour un épisode 2, puisque ça c'est l'épisode 1. Pour voir des trucs encore plus intéressants, encore plus techniques, encore plus aboutis, notamment d'autres fonctions, mais aussi d'autres petits symboles comme celui-ci ou d'autres petites habitudes comme celle-ci. À bientôt pour une prochaine vidéo.